Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Nous retrouvons notre petite famille Ugly, unie, endormie et poil au zizi pour cette nouvelle journée. Carla et Odile dorment ensemble et Ludwig est parti et a rejoint sa non-femme et ses 3 enfants et demi. Voilà, ça c'est pour les nouvelles. Et aujourd'hui, il va se passer quoi dans leur vie? Nous allons avoir l'anniversaire, oh là là, de Nantilde qui va devenir ado aujourd'hui déjà. Et on est en été. Possibilité de pluie. Bah, et puis je peux vous dire qu'il pleut déjà. Donc c'est génial, on est content, on est ravis. Ouio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 ui
Si tu veux te faire plaisir, parce que ça fait longtemps que t'as pas été. Non, juste faire crac-crac. Non, refais pas de bébé. Histoire de se remettre un peu, parce que là, comme elle a pas de mari, on peut pas faire de crac-crac très régulièrement. Hein. En tout cas, ça lui plaît toujours autant. Donc, hop! Mince! Les gosses, ils rentrent de l'école! Ah bah voilà! Ils rentrent de l'école, ils trouvent leur mère en train de faire des choses avec un inconnu pour certains et leur père pour certains autres. Bon, ça y est, Nantilde, elle clignote. Donc, tu feras un petit gâteau ensuite pour ta fille. Et puis, en plus, il y aura son père qui est là, donc c'est parfait! C'est parfait, et il pourra fêter l'anniversaire avec tout le monde. Voilà. Oh, mais non, mais dis donc. Oui, on voulait, ça nous gâche une retrouvaille entre une fille et son papa. Comment tu savais que tu es mon père? Parce que dans les Sims, ils le savent, même s'ils se sont jamais rencontrés. C'est ça qui est formidable. Mais ouais. Ah, c'est bien, là, de prendre ses manières. Prendre une photo ensemble, tiens. Pourquoi pas. Une référence culturelle, tout ça. Elle a pas encore fini le gâteau, mais ça va pas tarder. Le gâteau est prêt, Nantilde. Si tu veux, tu peux... Voilà, bah, très bien. Souffler les bougies. Et non, bah, lui, il s'en va. Bravo, papa, c'est cool. Au moins, on a une photo... Sinon, Tilde est élue l'héritière. Attention, on va savoir à quoi elle ressemble surtout. Alors, elle est soignée et j'ai regardé son père, il est actif, amoureux des chiens et mince, je sais plus. Du coup, on va le mettre actif. Active, voilà. Et comme aspiration, pourquoi pas le sport? Voilà. Et donc, Nantilde? Nantilde, elle est comme ça. Est-ce qu'on est ravis ou pas? Lève la tête un peu. Non mais voilà, moi je veux te voir en entière. Ouais. Ouais. Je pense surtout qu'un relooking te fera beaucoup de bien, ma petite. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout de suite cette voix. Ouais, un petit relooking sera pas de refus. Hein. Donc ça, je vous le montrerai évidemment quand je le ferai. Ah ouais, on voit que Ludwig est plus là. Les chiottes sont crades. Bon bah, on va bien désigner quelqu'un à nettoyer. Tiens, voilà, Nantilde, tu es désignée pour nettoyer les chiottes. Waouh! Waouh! La différence, elle est ouf. Hein. Elle est ouf. Elle est super gaulée maintenant, la petite, hein, puis elle a des abdos. Magnifique. Et donc voilà à quoi ressemble Nantilde. Je suis pas hyper fan, sachant que voilà, pour moi, elle a pareil, elle a pas de menton. Donc je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est Carla qui avait pas de menton? Bah non, Carla, elle avait un menton. Donc je ne sais pas. C'est très bizarre. En tout cas, voilà. Vous pouvez l'admirer, bien sûr, elle va pas rester comme ça, hein. Coupe de cheveux. Visage, je la trouve pas superbe pour l'instant, en tout cas. Donc je vais la relooker, je vous retrouve juste après. Et voilà pour le relooking de Nantilde. Alors j'ai essayé de sauver les meubles, ça a été compliqué un peu. J'ai manqué d'un peu d'inspiration, donc j'ai mis cette coupe de cheveux là. Petit peu de maquillage et des boucles d'oreilles. En première tenue de jour, nous avons cette tenue ici. Deuxième tenue de jour, celle-ci, beaucoup plus bohème. Hein, hein. Tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Voilà pour le relooking de Nantilde. Elle se ressemble tellement pas. Il y en a une qui a une grosse bouche et l'autre qui a une grande bouche. Le nez, tout ça, c'est sûr qu'elles n'ont aucun lien de... Elle ressemble peut-être plus à Carla, je trouve, quand même, Meryl. Alors que Nantilde ressemble... ouais, vite fait, quoi. Vite fait, vraiment vite fait. Ça va bien, le chat? Il est encore vivant, le chat. Vous voyez qu'il est encore là. Ah, c'est vrai.
J'ai mis le temps parce que j'ai oublié qu'en plus Carla a été. Caresse Rudy. Ah oui, bah oui. Caresse le chat s'il a besoin d'amour, hein. Puis t'iras prendre un bain. Fou, le petit cul, Carla, regardez-moi ça. Bon, elle pue, hein, mais voilà, elle est redevenue toute belle, toute mince, quoi. Parfaite, quoi. J'admire Rudy qui est en train de jouer avec son pouet-pouet. C'est trop chou. C'est tellement ça, surtout. Voilà, il en a eu assez. 14 ans du matin, faut bien couper les gosses quand ils ont fini de dormir. Donc, bah, une petite partie de baby-foot, un petit entraînement en baby-foot, ça fait pas de mal. Ils sont bien matinaux, ces gosses, hein. 26 h du matin, samedi, faudrait pas exagérer. Ah non, mais même la petite là-bas, elle est partie prendre son bain. Non, mais. D'accord, je vois. Et Carla, elle continue de roupiller tranquillement. Tout va bien, quoi. Et il pleut dehors pour changer. Nous allons bientôt être en automne et la semaine d'été n'aura été que avec de la pluie. Je suis ravie. Voilà, on amuse le chat comme on peut. Toujours la cheminée qui va, ça me fait rire ça. Il pleut des trompes, j'en ai marre. Ah, c'est carrément des orages. Bah, c'est con parce qu'on est samedi, je les aurais bien emmenés au parc, mais bah voilà. On va rien pouvoir faire de la journée, quoi. C'est cool. Encore là, tu vas appeler un de tes soupirants. Tu vas appeler Paolo. Et on va même réessayer avec Robert parce que bon, ça me ferait chier quand même qu'on le rate pour faire la photo. Bah, ils sont censés arriver tous les deux, donc on va voir qui va vraiment braver l'orage pour venir chez nous. Et ben, il aura une belle récompense, tiens. On l'emmènera sous la couette pour lui dire, ben voilà, tu as bravé les éléments, on te récompense. Oh, les deux, ils arrivent. Bon ben, double séance, hein, Carla. Tu vas devoir te multiplier les séances de crac-crac. Tu vas faire du drama. Oh punaise! Il s'est pris la place. Il s'est pris les trucs de gadou. Ah, oh, super, Paolo. Tu es génial. Bon, allez, tu peux illuminer sa journée. Et où est le vieux? Oh, Robert, il est parti faire du yoga. Bon, il a pris un peu dans la gueule. Pourquoi j'arrive pas à me diriger? Il a pris un peu, mais bon, c'est toujours une belle bête hein, pour son âge. Hein. Franchement, ça va, hein. Il y a mieux. Enfin, il y a mieux, ça va. Il y a pire, je voulais dire. Allez, photo, Angie. Oh, oui. C'est pas forcément les meilleures photos du monde, mais voilà, on a notre photo avec Paolo. On va aller voir ça tout de suite. Elle est à chier. Hop. Qualité normale, qualité normale, qualité normale, qualité normale. Ok, c'est bien. Maintenant, il faut plus que choper Robert. Robert, 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 Robert. Il est là. On va faire appeler. C'est déjà pas mal. Ah, il veut retourner absolument ici. En même temps, il sera au chaud. Viens là, cocotte. Ah, mais bon. D'accord, non, c'est bon. J'ai. Oh là 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 là. Vous savez que comme j'ai bloqué cette porte-là pour que. Ben, il est obligé de faire tout le tour, quoi. Oh là, mais lui aussi, il s'est pris la flaque! Mais, Robert, c'est plus de ton âge de te rouler dans la gadoue quand même. Fais attention à toi. Ce serait dommage. Complimenté. Il a quand même perdu un peu des abdos, mais. Raconter une blague grossière. Dis donc, la dernière fois que je t'ai vu, t'avais. Non, c'est vrai qu'il était venu squatter à la maison. Quand on a emménagé. Ce que j'allais dire, la dernière fois qu'il l'avait vu, il avait pas autant de gosses, hein. Allez, une photo avec Robert. Puis ça sera bien, quoi. Bon, bah, le yoga est à la mode parce que Paolo s'y est mis aussi, hein. Ah, il a bon style, il a un bon style. La photo avec Robert. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, oui, il a les cheveux blancs, quoi. C'est pas cool. 1, 2, 3, et avec 100 flash. Voilà. Mais ils vont se prendre la flaque à chaque fois, en fait. Là, ils vont se casser la gueule à chaque fois.
Avec lequel... Non, tu vas pas aller faire du yoga. Avec lequel tu t'entends encore le mieux amoureusement? Oh bah c'est Paolo. Allez Paolo, faire crac crac avec Paolo, comme ça ce sera fait. Tu vas faire quoi là Paolo? Non, 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 tu vas pas te prendre un bain. Puis il y a la petite qui est là, va la petite, il y a Nantine, bon c'est pas ta fille mais... Elle répare les toilettes. C'est une fille bien, je sais pas si elle les a cassées mais au moins elle les répare. Allez, une petite séance de crac crac ma belle. Parce que bon Robert est peut-être un peu trop vieux pour ça maintenant, on risque de le tuer donc... On va profiter d'un jeune encore. Oups là, ça rappelle des souvenirs, sachant que lui, Paolo, c'est le père de Norman. Voilà. Oh là là, attends, 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 attends. Oui, non, mais alors là, qu'est-ce que je viens de voir? C'était très rapide et puis en plus, c'était nul à chier. Paolo! Le mec, il se prend son bain, quoi. Crac, crac avec Paolo! Sinon, c'est pas grave, hein, on va demander à Robert, hein. Allez là. Mais y du tien, Paolo, hein. Je sais qu'on a couché ensemble qu'une fois, mais... Pas avant, maintenant, mais... Là, il faut que tu fasses plaisir à la belle Carla, hein. C'est pas possible, sinon. Allez, on y met du sien. Les orages, c'est pas très grave. Tant que la foudre tombe sous la couette, là, c'est bien. Mais c'est une blague! Oh, il est nul à chier, le Paolo, là. Deux fois, c'est hyper rapide. Regardez, il y a encore la musique. Alors que... Non, mais Carla, tu vas faire crac-crac avec... Ah mince, il n'y a que Paolo. Il s'est barré, Robert? Non, Robert, il est là. Robert, ça te dit d'aller faire un tour dans le... Dans le lit? La fille et son père. Voilà, ça vous avez... Voir si vous voyez un lien. Moi, je vois pas trop de ressemblance, mais bon. Qui sait? Carla à l'attaque. Oh, punaise! Oh, le vent! Oh, la violence! Ok, bah écoute, se plaindre des jeunes du quartier. Blague auto-dénigrante. On veut tirer notre coup, bon sang! Au bout d'un moment. Conversation profonde. Ça va venir, hein. Robert, il y a toujours quelque chose entre nous. Faut juste le raviver. Je sais, notre enfant a été devenue une adolescente maintenant. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des choses, mais... Voilà, quoi. Il reste encore un petit quelque chose, moi, je dis. Alors. Bon, il est pas contre. Embrasse les mains. Complimente la tenue. Toi, tu arrêtes de te mêler des histoires de tes parents. Va manger plutôt. Oh, mais l'orage, quoi. Voilà, regardez, il est enjôleur, tout ça. Complimenté. Et puis après, c'est dragouille, tout ça, enlacé. Et ça va être dans le lit après. Moi, je vous le dis. Notre proie essaie de se faufiler. Mais il est hors de question qu'on le laisse partir sans qu'on l'ait ferré dans notre lit. Ah, voilà! Et puis bien, allez. Faire crac-crac avec Paul. Mais pourquoi il peut plus faire crac-crac avec Robert? S'il est trop vieux? Ah, on a bien remonté quand même. Envoyer un baiser. Il faut le travailler au corps un peu encore, le Robert. Se tenir par la main. Ah non, mais ils veulent plus. Ils veulent plus faire crac-crac. Mais quelle tristesse! Ah! Si, 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 ça y est, Robert. Allez, dans le lit de ton frère et de futurement votre fille, vous allez remettre ça. Comme au bon vieux temps, à l'époque où Robert était un jeune adulte magnifiquement fringant. Car là, elle est toujours jeune adulte, hein, par contre. Ouais. Malgré tout ça. Lui est devenu un vieux déchet et elle est toujours au top, hein. Allez, un petit crac-crac et ça ira mieux après. Youpi, youpi, c'est parti. Alors, j'espère que ce soit très bien parce que bon, c'était tellement nul. Paolo, il a pas assuré, quoi. Ça craint, hein?
Je savais pas que les Sims pouvaient être aussi nuls que ça. Ah. Oh, yep. Ça y est. Agréablement satisfaite. Bravo. Oh, punaise, avec elle qui arrivait tout nantilde. Non, mais franchement, là. C'est quoi ces Sims? Regarde, Zelfa va jouer à la poupée juste après. Mais t'as un grain, ma belle, hein. Et puis tu peux essayer d'appeler le dernier sur ta liste, Simon. Ah bah non, tu vas juste lui envoyer un SMS et puis on verra plus tard pour l'inviter pour faire une photo. Non mais alors le yoga avec un parapluie ça sert à rien, Carla. Tu peux garder Mickey. Oui alors oui, parce que Paolo a un peu remarqué ce qui se passait avec Robert et il l'a pas du tout digéré. Du coup, elle a l'état d'âme prise sur le fait. Wouh! Ça, c'est un éclair qui est tombé là. Ah non, peut-être pas. En tout cas, il est tombé pas très très loin. Donc continue ton yoga, ma belle, et puis après, tu pourras aller te reposer pour de bon, quoi. Et après cette journée forte en émotions. Allez, Carla, pour le yoga. On va arrêter là. Tu vas un peu te cacher pour. Voilà. Et après, tu vas dormir. Et c'est vrai que j'ai pas encore changé les lits pour Odile, mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'elles arrivent à dormir ensemble dans le même lit. Ça passe. Hey, cache-toi! Honteuse! Tu es honteuse d'avoir fait des choses sous les yeux de tes enfants. Et d'avoir invité deux de tes amants en même temps. Allez, au lit, mademoiselle Abdo. Et dors bien. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Oh, il faut que je vais ranger la salade. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, je vous embrasse très fort. Salut.